Ça va être notre match numéro 3, les amis, qui commence dans 1 minute 30. On va probablement voir ce match en priorité. Alors, ça me semble être un match très compliqué pour Thierry. Parce que au niveau de la structure, les deux ont un early game assez mou. Thierry a un early game de développement avec Up the Beanstalk, de quoi ramper et des gros pâtés à la fin. Alex a un early game avec du développement en termes de card advantage, des bêtes flying. On a une 2-1 vol, une 2-2 vol, une 1-3, une 1-3, une Obira, une 1-1. Que des bêtes volantes. Et le deck de Thierry ne bloque pas le vol. Donc déjà première chose, le deck de Thierry ne bloque pas le vol. Ensuite, le deck de Thierry, son seul sort d'interaction, c'est Feed the Chaudron. Et Feed the Chaudron, c'est là principalement pour tuer les petites bêtes. Et du coup, faire des Feed the Chaudron sur des créatures qui ont déjà fait de la value, que ce soit les créatures aventure, la 3-2 qui a mis un token, la 1-3 qui a fait de l'aventure, ou cette 1-1 qui va faire piocher une carte. Bah déjà, tout ça là, le trade Feed the Chaudron contre tout l'early game de Alex, c'est pas très bon. Et ensuite, les cartes de late game de Alex, c'est un 3-5, c'est un 4-5 Death Touch. 4-5 Death Touch, ça résiste bien au sort de fight. 3-5, ça résiste bien. Donc j'aime pas trop. En plus, il y a des Candy Grapple ici. Donc c'est un peu tendu de ce côté-là. Et le Hopeful Nightmare qui est aussi embêtant. Donc, je pense que ce match-up, il va être très compliqué pour Thierry. Ah, je fais un petit F5. On a le droit au match de Alex Salzman contre Doniecny de Pologne. Oh non, les amis, vous savez qui c'est lui? Attends, Dominique Konieczny. Je vous ai raconté la petite histoire de Barcelone ou pas, hein? Je vous l'ai raconté cette histoire en plus. Je vous ai dit à Barcelone sur la soirée à Barcelone, j'ai parlé avec un joueur polonais. Bah c'était lui. Voilà, si vous regardez mon récap de Barcelone sur la chaîne replay. Eh ben c'était lui. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Là on sait jamais, vu que je broadcast le stream officiel, je vais pas lâcher des petits dos en plus. Dominique est très solide en limité. Oh, il a l'air assez bon. Il stream ou pas, lui? Je sais plus si c'est un streamer. Bon, il a une main extrêmement agressive. Oh, merci pour le troisième mois, merci Archantael, merci beaucoup pour ton soutien. Bienvenue. Merci beaucoup pour le soutien, merci pour ce prime. Et on va avoir la chance d'avoir la ronde 3 après. Oh, il y a beaucoup de rares dans son deck. C'est vrai que j'ai pas eu le temps, j'étais stupéfait de l'avoir reconnu. Donc là, je pense qu'ils sont en open deck list. Parce que on voit... Allez, on va faire un peu d'analyse. On voit que quand il joue sa game, il regarde ici. Il a le regard porté plutôt sur son écran principal. Et quand il check la liste, quand il réfléchit, il regarde ici. Et Alex fait la même chose. Son écran principal est là. Et la liste de son adversaire est là. Et vous pouvez regarder corporellement quand est-ce qu'ils réfléchissent. Là, par exemple, ils regardent la liste du joueur.
Bah, il regarde la liste du joueur ou il regarde un film sur Prime Video, tu vois. Enfin, il fait ce qu'il veut. Mais généralement, quand ils vont réfléchir, on les voit, on voit où est-ce qu'ils regardent et ça nous donne une indication. Deux crescendo. Ah, le play le plus logique du côté Dominique, c'est de faire Charming Scoundrel. De mettre le roll, ça fait passer la souris 3-3. Ah, gaffeur. Gaffeur. Pas de gaffe, s'il te plaît. Son blast Twitch, c'est... Swistack MTG. Ouais, mais je pense qu'il joue aussi beaucoup sur Magic Online. Donc là, la question qui se pose, c'est sur qui tu mets le roll. Je pense que tu veux mettre le roll sur la Scoundrel. Parce que, bah, quitte à trade quelque chose, t'es content que ce soit la 1-1 qui trade. C'est vrai que tu peux aussi faire un trésor. Ah! Moi, je préfère le roll maudit. Je trouve que c'est ce qui rentre le plus de points. Et tu vas finir par piocher ton terrain, de toute façon. Je pense que c'est mieux... En fait, si tu fais un trésor dans le but de faire crescendo, bah, le terrain que tu vas piocher perd un peu en value. Alors que sinon, ça va. T'élèves Raoul, je te laisse apprendre à lire. Je te laisse lire. Il stream en polonais only. Bah, j'irai lui dire bonjour. Il stream en polonais. Tu m'as dit que c'était quoi? Oui. Swistack MTG. 155 followers. Allez, 156. I played Magic for Wall Life. Draft Lover, Content Creator. Alright. Ah ouais, bah il a assuré. Le match était pas facile. Le match était pas facile, mais il a assuré. Ah, dans le chat officiel, je vois Go Poland. Ouais, il a pioché le tricks de combat, mais est-ce que tu veux y aller? Là, je pense que, étant donné qu'il peut avoir un sort à 2 et qu'il peut avoir un choc, je pense pas que t'aies envie de perdre ton aventure là-dessus. Et il est en train de réfléchir s'il respecte le choc. Là, en termes de card advantage, il y a une Fiery qui va faire un CA de 1. 3 cartes. Donc en fait, il y a 4 cartes. Prochain tour, 5. Et toi, t'as encore... T'as la possibilité aussi de juste... laisser le combat se résoudre et faire un 3-1, quoi. Ah, oh, c'est la catastrophe, par contre, ça. Ah, ça, c'est vraiment pas cool. Oh, il y a le spectre qui va donner -1/-1 derrière. Oh là 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 là. Alex qui est là. Hein. Ah, il a le spectre pour faire Vras derrière. Ça va être une catastrophe. Tu peux même te permettre d'attendre dans un spot comme ça. Parce que t'as pas envie d'exiler. En fait, Alex, il a pas envie d'exiler la Fiery. Il vient de checker son cimetière. Il a pas envie d'exiler Fiery. Et en fait, il peut tout simplement bloquer ici et là.
Bon, et par contre, s'il exile Fairy, il aurait dû attaquer pour... Ah non, il veut attaquer après. Ouais. Et c'est vrai que le 1 trésor par tour, c'est chaud. Est-ce que le trésor aurait été meilleur du coup? Ah, pas sûr que le trésor aurait été meilleur. Ah, oh, ça pioche à la perfection du côté d'Alex là. Sheldred en action. Ah, c'est. C'est mini Sheldred quoi, Scrimpuff. Voilà, il a compris qu'il remonterait pas. Ça rentre globalement des bodies à la place de sorts réactifs. Donc sur la draw, le contre perd un peu en value parce que la game va durer moins longtemps. Le 3-3 perd un peu en value parce que c'est très lent. Et Rankle Prank, par contre, ça m'étonne un peu. Sortir des Rankle Prank. J'aurais tendance à garder Rankle Prank in, par contre. Ah, il sort les Rankle Prank. Le flash des rats en réponse. Ouais, peut-être qu'il il évalue que... Il évalue peut-être que les Rat Catcher Trainees diminuent trop la value des rats. Ouais, tout à fait. Non, c'est une bonne analyse, ouais. Il sort ça parce que y a trop de producteurs de tokens. Donc il préfère avoir des bodies sur le champ de bataille pour bloquer tous les tokens. Notamment le body 1-3. Ah, ça joue extrêmement agressif du côté de Dominique. Hein. Il a un Boros. Le petit kill du 1, le petit. Alors, l'intérêt de faire ce play, plutôt que tuer le 1 pendant votre tour, vous voulez le tuer à le petit, comme ça le rat a le mal d'invocation. Et vu que le rat a le mal d'invocation, bah, il économise un point de vie. C'est souvent ce qui fait la diff, un point de vie. Il va poser la 1-3 en défense pour empêcher le rat d'attaquer, empêcher le 2-2 d'attaquer. J'ai pas vu combien il y avait de land dans le deck de Dominique. Dominique. Il joue 16 landes, Dominique. Il joue 16 terrains. Il a 1, 2, 3, 4. Il a 4 drop 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il a 4 rat catchers. Il y a 4 rat catchers. Ah ouais, la curve est super basse. Ah, il a un deck extrêmement agressif. Il a un bon deck de 2-1, je pense. Il y a moyen de gagner des games avec ça. Bon, il essaie de bait. Donc là, on voit que Alex est en train de checker la decklist pour voir s'il faut bloquer le token. Ok, on fait la 2-2 tout de suite. Ah, il va y avoir deux petits rats fin de tour plus crescendo. Là, du côté Dominique, le plan, c'est probablement de faire encore des rats,
puis Rat Trainee, Ginger Brut, puis d'attaquer avec tout. Sauf que en face, il y a 1, 2. Il y a 2 bloqueurs. Si tu fais 2 rats, t'en auras 6. 3 x 6, 18. Moins 6, 12. Donc t'as pas les points. Tu peux pas attaquer dans la 2-2 et la 1-3. Donc si t'attends un tour qui pose une bête, t'attends un tour qui pose une autre bête, tu vas te retrouver à avoir, je crois, tu vas être à quelques dégâts short, quoi. Le truc, c'est que là, il a aucun moyen de passer des dégâts. Hein. Ah, et du coup, il garde Rat Catcher Trainee. C'est pas légit de crescendo sourcil pour essayer de passer 13 et prendre des bons trades. Bah, le truc, c'est que si tu crescendo ce tour-ci, déjà, tu passes que 6 points, tu passes pas 13 points. Et ensuite, plus t'attends sur la value du crescendo, mieux c'est. Parce que globalement, il va mettre... T'attaques avec ça, il va mettre la 2-2 là-dessus, une 1-1 là-dessus. Tu trades les deux, tu perds ton crescendo, tu perds 2 bêtes. En face, il y a 2 bêtes de moins et tu te retrouves avec 2 rats. Ce qui fait que la moindre bête arrête tes rats et t'as plus de contre-jeu, t'as plus de pression, quoi. Et je pense que tu peux pas... Il pas bloqué. Non mais il y a pas de il bloque pas. Alex va bloquer à tous les moments, il bloque. Peut-être faire un petit F5. Là le but, je pense, c'est de faire créature Ginger Brut. Voilà. Et en gros, t'essaies de matcher l'agression. Sauf que Scream Puff, c'est vraiment problématique pour lui. En fait, dis-toi que le spell, pour l'instant, quand t'as 4 créatures, c'est plus 8, plus 0. Et chaque créature au-dessus des 4 booste ton spell. Donc, le meilleur moyen pour ce spell, c'est d'attendre le plus longtemps possible pour le faire. Alors oui, si t'as des échanges intéressants, c'est bien à faire, mais je pense que c'est important d'essayer d'attendre le plus longtemps possible pour en tirer le plus de value possible. Et là, ça commence... En fait, le plan du côté d'Alex est bon. On essaie de poser un maximum de créatures en bloc pour limiter de ouf la value de ça. Plus t'attends, plus il y a de bloqueurs en face. Oui et non. Oui et non. Parce que plus t'attends, plus t'as la possibilité de développer des bêtes aussi. C'est-à-dire que là, tu peux... Ouais, c'est ça. Tu peux activer Ginger Brut, envoyer 1 et poser Rat Catcher, par exemple. Comme ça, tu continues de poser une bête par tour... Et t'essaies de proposer un létal. En gros, il a 9 bêtes. Il y a 5 créatures contre 9. Donc, il y en a 4 qui passent. 4 x 3, 12. Donc là, t'es 3 short. Avec le gain 3, t'es 6 short. Et il peut même proposer une attaque avec Scream Puff pour essayer de mettre les points. Genre... Il peut même proposer une attaque avec tout, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16 si le Scream Puff n'est pas bloqué. Je crois que du côté d'Alex, il peut attaquer avec tout, hein. Passe à 21. Mais c'est un peu risqué, mais il pourrait. Ouais, ça c'est bien. Attaquer aussi avec ça pour proposer un létal. En fait, si le Scream Puff connecte pas, ça veut dire qu'il y a une des bêtes qui est morte. Si le Scream Puff connecte,
C'est-à-dire que tu as un foot de plus et que tu peux mettre des points à distance. Donc s'il connecte, il envoie 6 points. S'il connecte pas, il se débarrasse d'une bête. Et là, le fait qu'il puisse tout simplement poser une 2-1 et craquer les deux foot ce tour-ci, ça le met extrêmement bien parce qu'il passe à 21 littéralement. Et là maintenant, il y a énormément de points de dégâts. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en vol. Plus 8, 9, 10, 11 à distance. Donc là, il est obligé de bouger. Il est obligé de bouger parce qu'il y a le kill, il y a le kill en face. Waouh ! Il va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le truc, c'est qu'il prend 14. Il force le crescendo. En réponse à crescendo, t'envoies 4 points en dégâts directs avec la 3-2. T'envoies, vu que t'as tes deux foot, tu peux envoyer 2 et 2. Ça fait 4. Sauf que tu perds ta 3-2 pour le tour suivant. En face, il y a un token rat et 2-2-2. Ah, je suis pas hyper content de bloquer avec tout. Je pense qu'il doit pas bloquer avec sa 3-2. S'il bloque pas avec sa 3-2, il a le kill, non? Je pense que s'il bloque pas avec la 3-2, il a le kill. Parce qu'en gros, il prend 3 de plus, mais il peut claquer une food. Ouais, j'aime pas trop sa ligne. En fait, s'il bloque pas avec la 3-2, il prenait 3 de plus, il passait à 4. Et derrière, il attaque avec ça et la 3-2, il avait le kill. Là je pense que Alex a raté le kill, mais vu qu'il top deck comme un fou, c'est plus facile. Mais Alex a raté le kill. En gros, je pense que si Alex avait fait un peu les maths et qu'il s'aperçoit que s'il bloque pas avec la 3-2, il a quand même gagné. Il aurait gagné cette game quoi qu'il arrive. Ouais, ça load. J'ai mes écrans Twitch, ça load pas forcément tout en temps réel quoi. Je fais de mon mieux pour avoir le flux. Oh là 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 là, mais c'est quoi, Alex? Il le sait lui-même. Regardez, il fait une tête en mode je top deck comme un fou. C'est bien, ça dépense la luck là. Ça dépense la luck maintenant. C'est bien, ça dépense la luck maintenant, comme ça il aura pas la luck contre Thierry. Du coup, Alex versus Thierry en finale de ce pot de draft. Et j'étais en train de vous dire juste avant que ça a été chaud. Voilà les deux decklists, la decklist de Thierry à droite. Alors c'est tout petit, hein, je suis désolé. C'est difficile de vous afficher les decklists de manière en plus grand. Mais en fait, ouais. Donc les removals de Thierry matchent mal l'early game de Alex. Le late game de Alex à base de Hatchling Plan, Boons et Contresort me fait un peu peur côté Thierry. Et surtout, il a un Candy Grapple qui gère aussi très très bien l'early. Candy Grapple qui tue les 2-3, Candy Grapple qui tue les autres bêtes. Donc j'ai peur que ce soit un peu difficile pour Thierry en vrai. Je dis pas que c'est impossible, mais il va falloir trouver de la ressource pour Thierry pour gagner ça. Je vais me faire un petit café
avant la finale.